Nous sommes vendredi. C'est un jour un peu particulier à la clinique Pasteur à Toulouse. C'est le jour du club jardinage de la clinique. Les salariés se retrouvent sur le toit du bâtiment L'Atrium. C'est là que la clinique Pasteur a installé son potager. Haricots, tomates, framboises, fraises, toute une variété de fruits et légumes bio plantés sur une parcelle de 500 mètres carrés. Alors l'origine du jardin, c'est vraiment une rencontre à la base avec une start-up Macadam Garden qui essaye, elle, de son côté, de réintégrer, faire revenir nos jardins en villa. Et c'est vrai que de la discussion est née vraiment une possibilité sur notre terrasse au R plus 4 du bâtiment Atrium. Par rapport à la mise en place de ce projet, forcément, on a fait une étude économique. Et donc de cette étude économique, on a vraiment fait une analyse en coût global. Donc le coût des jardinières en géotextile, de la mise en place du système d'irrigation, etc. On est à peu près sur 20 000 euros de coût d'investissement. On a estimé un retour sur investissement entre 3 et 4 ans. Aujourd'hui, au programme du club jardinage, arracher les feuilles et cueillir les haricots et quelques fraises. Jean, retraité de la clinique, est là pour organiser la cueillette. Ça se passe par groupe, on met 3 personnes sur des fraises, 3 personnes sur des haricots, sur les légumes. Quand les légumes sont cueillis, ils sont mis dans des caisses et portés directement à la clinique Pasteur au service des cuisines. Pendant que certains arrachent les feuilles, de l'autre côté du jardin, un autre groupe s'affaire à la cueillette des haricots avec tout autant de plaisir. Moi, ce qui m'a intéressé pour participer au club jardinage, c'est avant tout la démarche qui a été mise en place, c'est-à-dire de réunir dans une activité des personnes de différentes origines professionnelles, aussi bien des secteurs de soins que du technique, que de l'HAD, en compagnie de légumes de qualité, légumes bio qui seront utilisés ensuite pour la restauration, donc consommés et par les patients et par nous autres. Donc c'est un petit peu participer à l'écologie, à la boucle du développement durable. Je trouve ça agréable de venir, que ce soit pour ramasser ou même pour côtoyer d'autres personnes, c'est juste prendre un bol d'air, tout simplement. Je suis passionnée de plantes, donc ça tombe bien que dans l'entreprise où je travaille, des passionnés aient proposé cette activité. Voilà. Donc ça va me permettre de découvrir certainement tout un tas de choses que je ne connaissais pas et je suis ravie. Pour faire un jardin, il faut que c'est vraiment du sens en interne. Donc la première chose, ça a été vraiment un travail avec notre restauration. Donc partons sur un logique de légumes référents. Donc le légume référent, c'est le légume qu'on n'achète plus concrètement et qu'on produit directement chez nous. Et cet été, le légume référent a été le pois gourmand. Plus de 180 kg de haricots cueillis et consommés par les salariés et les patients. Le chef cuisinier a déjà intégré de nouveaux légumes référents, tomates, aubergines, courgettes, qui serviront à cuisiner des ratatouilles maison. La cueillette est terminée, la petite récolte est amenée en cuisine. Les fruits et les légumes fraîchement cueillis vont être préparés pour les menus des patients et pour le restaurant. Donc pour les haricots plats, pour les patients, on va utiliser une trentaine de kilos qu'on va pouvoir travailler sur un cycle de menus. Ils ont au niveau gustatif, ce plaisir dans la bouche, une odeur exceptionnelle au niveau de la fraise. Certains redécouvrent, entre guillemets, le vrai légume que l'on peut trouver dans son jardin. Le club jardinage se retrouve vendredi prochain pour leur pique-nique sur le toit de l'Atrium, pendant que les patients se préparent à déguster les fruits fraîchement cueillis.